Mesdames et messieurs, run de l'acte 2. Cette run de 5 minutes. Je viens de faire une run qui a duré une seconde, bon. Ça fait une run incroyable. On a vraiment eu une malchance de loot, mais affreuse. Alors que ça aurait pu bien se passer, quoi. Direct. Faut pas jouer l'arsenal. Ah, j'avoue que je pensais pas que c'était le shield. Mais c'est même pas forcément le problème. Parce que c'est quand même... C'est 15% de loot merdique. C'est pas 50%, tu vois. De toute façon, c'est l'early qui est difficile. Avec l'objet arsenal, c'est vraiment l'early qui est ultra difficile. Une fois que t'as passé ça, c'est bon. Vachement un jeu d'opti au niveau de la position des tuiles. Ah ouais, clairement. Hein. Clairement. Faut savoir où tu vas placer. En fait, faut jouer un peu tout en avance. Ok, ça c'est déjà vraiment bien par contre. Ok. Arsenal, pas besoin de le placer à côté de la route, je crois que ça gâche un spot pour rien. Alors si, déjà, je dois le placer à côté de la route et je le poste à côté de ça pour éviter qu'il y ait des merdes qui pop à côté, même si je connais pas encore le boss. Remplace vos cartes d'autres cartes. Ah oui ! Alors c'est vrai que j'ai pris ça finalement. Je suis pas trop sûr, hein. C'est vrai que là, les oblivions qu'on se garde... Bon, on va garder la bibliothèque pour l'instant. Voilà, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. On a déjà du meilleur loot. Ok. Ouais, on vient de faire un restart de run là. Sans tuite régène. On va prendre un peu de régène, c'est toujours ça de prix. Les dunes. Les dunes, c'est là-haut. Par contre, on va looter des montagnes un jour ou pas? Ça, c'est un bosquet. Ah cool, on a eu le pop, c'est bien. Brrr. Ouais, go, vas-y. Après, j'ai peut-être un peu trop de cartes dans le deck. Ouais, la bibliothèque, j'aurais pas dû la prendre, hein. Je sais pas. Non. Ça me hype pas du tout cette histoire de bibliothèque là. C'est vrai que j'ai beaucoup de cartes. Attendez, je réfléchis à un truc là. Parce que dans le cadre, on va mettre un village, mais quand même un bosquet ensanglanté ici. Ouais, là, c'est un bon emplacement. C'est un bon emplacement. Ça va là. Ah, c'est cool qu'il y ait un vampire direct, par contre. Ça me fait plutôt plaisir, en réalité. Une nuée de chauve-souris. C'est bon. Ça se passe bien. En vérité, ça se passe bien. Un village. Village loop 2, c'est game. Enfin, un tirage qui fait plaisir. Ok, ça part. Livion. Par contre, là, j'ai pris un gros risque quand même. Hein. Va pas falloir bégayer quand je vais revenir en loop 3 et que je vais avoir le village de Déglingo là. Hein. On verra, mais j'ai pas trop le choix, je la place, tant pis, j'optimise moins. Rip ton village. Non, tranquille. J'ai fait exprès. Par contre, est-ce qu'on va looter un anneau un jour? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais on peut porter deux anneaux. C'est quand même dommage. Ah, enfin. C'est quoi ça? Esquive 6%. Bon, toujours ça de prix. Hein. Oh! Alors que ça va être la nuit, mesdames et messieurs, il va être 23h59 plus une minute. Donc minuit. Ça y est, il est minuit. L'heure est passée. Nous changeons donc l'ambiance du studio sur la caméra. C'est un reset de Z-Univers sur le Discord pour ceux qui veulent jouer sur le Discord. Vous pouvez faire votre invocation du jour.
Défense 10. Après, défense avec le nécro. Est-ce que bouclier c'est si mauvais? Non, c'est pas mal, hein. Quand les boucliers ils font pas mal de stats et tout, on sera bien content. Alors, par contre, là, il me faudrait soit un squelette max, soit une qualité d'invoque, mais l'un des deux, parce que pitié, monsieur pitié, en fait. Parce que là, là, on va arriver au village de Déglingo, là, quand même. C'est un peu le malaise. Comment on va par ici? Ça va, merci à tous. Vitesse d'attaque, qualité d'invoque. Ok, donc on va prendre qualité d'attaque et... Enfin, qualité d'invoque et vitesse d'attaque, pardon. Même si c'est du 3%, c'est toujours ça de prix. T'as pas 8, bon. Ah, voilà, on peut faire des guerriers squelettes. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous savez quoi? J'aime ce qui se passe. Non, c'est bien. Là, on est bien. Là, on sent que, voilà, c'est une run qui démarre normalement pour une loupe 2. Pourquoi il a que du gris? Parce que je joue avec l'arsenal. Je joue avec le gyroscope. C'est quoi le truc d'invoque? Il y a un gacha game? Oh, calmez-vous avec ça. Un gacha game. Non, ce n'est pas un gacha, non. 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 Toujours le premier boss. Alors, c'est écrit, hein. Chapitre 2, regardez. Juste là. On est au boss 2. Est-ce qu'on y va? On y va. Combien de types de squelettes différents tu peux invoquer? Moi, j'en ai vu 4, mais il y en a peut-être plus. Je pense que quand tu montes en qualité d'invocation de manière insane, tu peux croiser des squelettes insane. Ok, moment de vérité. Est-ce que la run s'arrête? C'est possible, hein. On va le savoir tout de suite. Honnêtement, je pense pas. Oh, quoique. En fait, faudrait faire un petit guerrier squelette. Il en faudrait un. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il en faudrait un, juste un. Bridou. On a 6 potions. Les 6 potions me font dire que ça va le faire. Ok, c'est bon. Faut tuer un mob. Un mob. C'est la phase dure de notre run. Mais si on la passe... Si on la passe, on est bien. Ah, c'est bien, il est mort sur l'anime. Oh merde, là on a gâché une invoque. Ah, ça c'est pas bon ça. Ouais, on a perdu une invoque. Des fois on a les timings perdus parce que... En gros là, si ma barre bleue d'invocation arrive au bout mais qu'un squelette n'est pas mort, on perd une invocation. Ça c'est un peu dommage. Là on en a perdu une mais ils étaient mid life donc ça va. Ok, c'est bon, c'est gagné. Enfin, c'est gagné pour ce combat. Pas pour la run. Ça on sait pas encore. Je vais quand même prendre la douche, hein. Il me reste 2 potions. Un squelette max ça aurait pas fait trop mal, hein. Ça va prendre la dernière popo, je pense. Oh non, pas les chauves-souris. Allez, prends la dernière popo, je t'y autorise. Oh, voilà. Et là, il y a des bons loots, au moins. Parce que qui dit mob dur, dit loot, loot mieux. Évidemment. Bon, j'équipe sans même regarder ce que c'est, hein. C'est du 4 qui remplace du 1. Je pense qu'on est tous d'accord, mesdames et messieurs. On est à squelette max 2, toujours. C'est un peu dommage. Oh, et un orbe d'expansion, on est bien reçu. Non, là j'avoue, on est bien reçu quand même. Très bien. Bon, voilà une bonne chose de faite. Donc on a eu quoi? On a eu défense esquive et là on a eu défense et niveau squelette. C'est quand même de la merde. T'as préparé le drama de demain? Alors demain, j'ai quoi demain? Oh, demain j'ai une OP. Oh, sur un jeu de fou. Ah, oh, ouais, je vous en parlerai. Sur un jeu auquel j'ai déjà joué en plus. Et non, ce n'est pas Red Shadow Legends. Et après on fera après je sais pas si on fera du loop héros après l'OP. Jeudi il y a le Top Gun. Non, là il se passe des trucs là quand même, hein. Ok, défense, vitesse d'attaque, régène, qualité invoque. Ok, pas mal, pas mal. Denatrius est même avec une autre guilde. Ah, je peux pas en dire. Je peux pas en dire beaucoup, hein. Je peux pas en dire plus. Qualité invoque, régène par sec. Ouais, bon, vitesse d'attaque 3%, ça reste de la merde, hein. On va l'enlever. Ok. C'est longtemps qu'il n'y a pas eu une OP. Longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Ça nous a manqué, évidemment. Ah oui, level up. Octroie un bonus permanent de plus 0,5 au bouclier magique du nécromancien pour chaque squelette invoqué à partir de maintenant. C'est d'accord. C'est d'accord. Qualité d'invoque 17%. C'est d'accord. Bon, un rocher pour la montagne, petit rocher là. Mais ne sous-estime pas le niveau des squelettes, c'est ta stat la plus importante. Ouais, je sais, hein. Je sous-estime pas du tout.
Merde, oh là là. Oh, quel choke de fou j'ai failli faire. Tu commenteras pas les Pégases. C'est vrai que demain il y a les Pégases. Vous savez, c'est l'espèce de Game Award à la française dont j'avais parlé. Qui était assez cool l'an dernier, enfin mis à part... problème avec un des présentateurs. Mais sinon la cérémonie était plutôt chouette. Et ouais, on en parlera, ouais. J'ai hâte de voir qui va gagner et tout. Je sais qu'il y a des jeux indés qui sont nommés, qui sont insane. On n'y est pas avec Unexpected, je préfère vous le dire tout de suite. J'aurais peut-être pas dit ça. Ok, là on va... Bien envie de me foutre ici là avec mon phare. Mon phare à la con. Ouais. C'est vrai, ça va vraiment être le all-in. Hein. Ça va vraiment être le all-in. Il me faudrait vraiment un squelette max là. Squelette max plus 1. Ah, j'espère que ce coffre me filera un squelette max plus 1. Ce serait vraiment bien. Ah, enfin un squelette sérieux là un peu. C'est vrai qu'en qualité d'invoque je suis à 49%, mais what the hell? Pourquoi on a des trucs si nuls? Ok. Désert. Prairie. Prairie. Rocher. Full bonus. Ok. Esquive, vitesse d'attaque, défense, qualité d'invoque. Non, ça va le faire, je pense. Un petit coffre. Tu sais qu'on avait pas de carte coffre non plus. On est full life. Là, un petit truc squelette max, là. S'il te plaît. C'est vraiment dommage. Ok, défense esquive ou défense esquive? Je pense défense esquive, c'est mieux. Vraiment, hein, y a aucun squelette max, là. J'ai rien du tout. Ou alors un level up qui donne le squelette max, ça c'est vraiment OP, stop tier. Bon là mon plan c'est looter un rocher sur cet épouvantail et ce truc. Ça fait pop le camp de gobelins, je l'oblivionne, je pose la bibliothèque. Non. Pas comme ça. Merde. Deuxième champ de bataille. Oh là là, j'ai trop peur de perdre le combat d'après. Squelette max, pitié. Ça fait quoi ça? Vitesse d'attaque 3, qualité d'invoque 14. Champ de bataille. Ok. Bon, est-ce qu'on va gagner ça? On est full life, on a du shield. On avait dit de taper sur le micro. Non mais ça, vous pouvez abandonner. Hein. Vous pouvez abandonner cette requête. Je vais pas pouvoir m'en empêcher, ça va pas être possible. Je regrette. Je regrette. I am regretting. Niveau squelette, vitesse d'attaque. Non, il vaut mieux la qualité d'invocation. Hein. En fait, si seulement je pouvais faire un tank, genre là t'invoques un tank, boum. Et à 49, j'ai l'impression que c'est très rare. Ouais, c'est bon, un tank. C'est pas mal, ça temporise. Non, c'est bien. Il a fait un guerrier derrière. Ça va être chaud. Hein. Ouah, mais les patates qu'ils mettent. Oh, j'ai perdu un timing. Oh là 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 là. On a 3 potions. Faudrait tuer un mob là, ce serait pas mal. Allez, meurs. Disappear. Oh, j'ai perdu un mob. En fait, c'est vraiment horrible quand vous perdez un timing là-dessus. Bon, c'est gagné pour ce combat. Donc ça va le faire. Ouais, encore je dis ça. Ah ouais, non, je dis ça, mais... Vous voyez là, en gros, là, ils vont pas mourir les deux, ici. Et du coup, quand ma barre bleue va arriver au bout, je vais pas en invoquer un autre. Voilà. Et là ils meurent les deux. Et il faut que l'animation se termine pour que ma barre bleue à la fin elle invoque d'autres squelettes. Mais là comme elle était pas terminée, les deux animations de mort, j'ai perdu un timing d'invoque et je dois revenir sur le bleu. Donc ça c'est le problème du nécro. Ça c'est le truc un peu chiant du nécro. Bon là ça va, c'est un tank et il y a que des mobs qui font de la merde. Donc c'est cool. Mais ça c'est vraiment difficile. C'est pour ça que quand je dis j'ai perdu une invoque, c'est tu le perds à vraiment une microseconde, un pixel de seconde. C'est vraiment niveau squelette plus important que qualité d'invoque. Et ben en fait, oui, je suis d'accord avec vous, si jamais vous avez votre qualité d'invoque à 50%. En gros pour moi, la qualité d'invoque doit être à 50% et ensuite il faut monter le niveau de squelette. Mais c'est trop important d'avoir
C'est trop important d'avoir une qualité d'invoque à 50% pour pouvoir invoquer les tanks. Sinon tu te retrouves trop dans la merde. Voilà. Bibliothèque. À côté du village de Déglingus. 20. On va placer nos montagnes, nos forêts et nos îles au trésor. Oh, 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 oh. Hop là, on change nos cartes. Pas mal. On a eu un orbe. Salle du trésor. Un phare. One far. Far away. I far away, oh, oh, I far away in the morning. Do 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 do. Well, fly away. Ah, si on repasse dans la même boucle, ça fait pas le truc que je me demandais. Bear. Bear. C'est pas risqué pour le late que tu fasses village des Glingos into bosquet sanglant. Mais là, fallait faire un bosquet sanglant d'ailleurs. Idiot. Dommage. En tout cas, c'est fini. Maintenant, faut qu'on arrive à faire pop des mobs parce qu'on a, on a terminé notre... notre truc. Je comprends. En fait, on a terminé ce village, il va pop en perfect juste après là. Par contre, vraiment, si j'ai pas squelette max, la run est dead. Hein. La run est dead à 100%. C'est quand même dommage. Bon, bah c'est super hein, ça, mais. Je vais l'oblivionner. Hein. Bravo. Hein. Bravo, le veau, franchement. Quel idiot. Pourquoi tu mets pas plus de rochers autour du pic? Parce que là, il faut que je remplisse la salle du trésor, mais après, je le ferai, ouais. C'est le but, c'est le but. Et par contre là je suis plus censé faire des squelettes amicaux alors que je suis à 68%, 65% de qualité d'invoque. Merde. Je veux dire merde au bout d'un moment. Alors je le dis, merde. Ah tu vois pas hein. Pas besoin d'oblivion, une biblio. Bah si parce que en fait j'ai pas envie d'attendre 17 passages. Bourdonnement dans les oreilles. Ah oui, c'est quand il invoque la nuée de chauve-souris, c'est vrai. Je crois que j'avais fait une connerie. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, il est à 18. Pff, ouais, c'est chiant. Va attendre 2 heures. Hein. Si tu places bien la biblio, c'est 3 passages. Bah là, c'est 3 passages. 1, 2, 3. Mais bon. Quand même la flemme. Hein. Ça fait quand même trop de loop. Hein. Le boss sera pop avant. Enfin bref, on va voir. Hein. C'est vrai qu'il y a l'arbre à l'étrier. Putain, mais ça, c'est incroyable. J'oublie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. C'est la vie. Squelette max plus 1. Oh, je vais le mettre. Hein. Plus que 109, défense d'attaque. Non, c'est nul. Putain, enfin. Je regarde tout le stuff. Oh, t'inquiète, je regarde tout. Hein. Ouh! Mais oui, monsieur! Enfin, cet anneau gris que je vais pas changer pendant 2000 ans, je sens. Je le sens! Alors, est-ce que les passages de bibliothèque comptent même si on a 0 carte? Je me demande. Comme là, on est bien, ça y est. L'anneau jaune, c'est le bleu en mieux. Quoi? Pourquoi? Ah mais oui, je suis con. Qu'est-ce que j'ai foutu, bordel? Attendez, ça...
77 esquive, non. Bon là c'est normal, il y a un peu de mob. Faut qu'il invoque un tank, faut qu'il comprenne qu'il doit invoquer un tank. Voilà, c'est gagné, bien joué à moi. Ça temporise. Ah je dis ça mais... Quand même hein. 3-22, bon, oh là 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 là. Qualité d'invoque 16, on restera à 50%. 10 de def, 1 de régène par seconde. On est à combien de régène par seconde là? 1, on sera à 2. Ouais, c'est pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Oh oui! Squelette max et défense! Level up! Les deux premiers squelettes invoqués lors d'un nouveau jour seront renforcés. Après avoir tué un ennemi, les squelettes ce soir et machin. Et 0,25 au niveau des squelettes par boucle. A commencer par la boucle, vous avez reçu cette caractéristique. Ouais, c'est pas dingue ça. Bon, j'hésite entre ces deux. Je pense que pour le boss, je vais prendre rituel. Ah non, on a un nouveau jour! Ah oui, c'est pas d'une nouvelle loupe. Après, je dis ça, mais ça peut arriver pendant le boss. Je vais tenter ça. Oh, la bibliothèque m'a changé mes cartes. Squelette max plus 1. Mais on changera la qualité des... des invoques, quoi. On tombera en dessous des 50%. Après je peux peut-être le rattraper en changeant cet anneau. Niveau squelette 69. Non ça c'est une amulette. Niveau squelette 23, esquive, régène par seconde, défense. Sinon je peux le changer, honnêtement j'ai pas besoin de 4 squelettes je pense. Pratique rituelle, c'est rétroactif, il y a un souci de code ou de texte. Ah ouais, 49% égale injouable. Ah ouais je suis d'accord hein. C'est injouable les gars, mais bon. Est-ce qu'on peut hein. Pas de qualité d'invoque. Ah c'est chaud hein. La run est chaude quand même. Le bosquet, est-ce qu'on va le faire? Non, on fait pas le bosquet ni le champ. Rocher montagne. Ouais. Il y a forcément qualité d'invoque, il y a que des squelettes de merde. Mais bon, au moins on en invoque vite. Et plusieurs. Vite et bien. Dune et montagne. Allez, change-moi ces cartes là. Et ça donne désert et rocher. Énorme. Ok. Ces attaques niveau squelette régène par seconde. Bah là, c'est sûr qu'on va changer l'anneau de gauche. Celui-là. Qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est ça. Parce qu'en qualité d'invoque, j'ai encore besoin. Qualité d'invoque, esquive 4. Non. C'est non. Update 4 de Satisfactory. Ouais, je me suis pas du tout spoilé sur les updates. Mais on y jouera probablement avec Kenny, je sais juste pas quand. Ah ça va le boss, je suis qu'à la moitié des tuiles posées. C'est vrai que j'ai pas posé beaucoup de tuiles finalement. On va garder un peu de tuiles pour la biblio. Manoir de vampire, ça me fera du bien parce qu'il me faudrait des mobs un peu. J'ai envie de le mettre là. Sinon on le met à côté du... Ah non, il n'y a pas de village ici. Ah, il y a un mob ensanglanté. 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 RS4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté, bien sûr. Ouais. Désolé, j'ai mis du temps à le placer, mais j'hésitais. Un squelette renforcé par le matin. 27. Ouais, ça a l'air incroyable. Hein. Mais alors, du coup, il reste pas. Ouais, ça, c'est le problème par contre. Déjà, Surviving Mars et Fondation avant d'autres jeux. Trop de jeux, pas assez de temps, quel enfer. Bah, Surviving Mars, je suis pas sûr de faire la suite du DLC quand même. Est-ce que le coffre il va pop sur les champs là? Normalement, oui. Hein. J'espère. On verra. Le Sahara, ouais, j'ai fait le Sahara à droite là. Je me suis dit, on sait jamais. On peut peut-être faire un truc marrant.
faudrait une amulette, un de ces quatre quand même. Et un shield. T'es déjà au nécro, t'as pas commencé le jeu hier. J'ai commencé dimanche, Ben. Mais j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, hein. J'ai une dizaine d'heures de jeu, donc en 3 jours, ça va quand même. Ok. Ok, nouveau jour, donc là il sera renforcé le prochain. Lui. 27. Renforced. Ok, bibliothèque. Ah, c'est vrai qu'on est déjà à 11. Bon, j'avoue, ça passe vite. Un autre manoir de vampire. Ouf. Ouf. Oh, c'est la mort, je suis mort. Oh, je suis mort, hein. Ok, il y a le tank. Le tank qui sauve la game. Non, mais la qualité d'invoque à 49%, elle se fait vraiment sentir, hein. Midlife. Après, les loots. Attention les loots, hein, quand tu butes les golems de chair, voilà les loots que tu te tapes. Regardez, bam 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 bam. Oui monsieur. Mais oui monsieur. 118 de bouclier magique niveau squelette, 26. Bon là il faut quand même que je change, hein. Tant pis pour la qualité d'invocation, on va aller la chercher ailleurs, hein. 12 de défense, régène 2. Ah ça, ils font aussi de la qualité d'invoque les boucliers, putain. Putain. Qualité d'invoque, on est à 33%. C'est nul. C'est nul. Et merde. Et merde. Arbalétrier. On va pouvoir régène. J'ai pas tant de PV que ça, hein. Quand les mobs vont me tabasser, là, je vais bien déguster ma race. Wesh alors, ma race. Ok, bosquet. Je sais pas, non, pas de bosquet. Nid d'araignée par contre, peut-être. Oui, genre là. Ah, des loots. Pitié, des loots. Gameplay nécro ZZ. Non, j'aime bien. J'aime bien le gameplay nécro. Qualité invoque. Et ouais, mais bon. Ouais. Oh. Alors peut-être. 87, ça fait un peu moins de shield, mais. Ah, je sais pas. Ah, mais là, avec 33% de qualité invocation, je me tape ces 3 trucs. C'est quand vous voulez, hein. Quand vous voulez qu'on a ça à chaque fois. Oh, une amulette avec squelette max. Régène par seconde, esquive, squelette max. Et 80. Ok, je prends. Je vais pouvoir peut-être changer le grimoire du coup. Je vais prendre ça. Voilà, comme ça je suis monté à, 100, à 51 de qualité d'invoque. J'ai dépassé les 350 en niveau squelette. Mais je reste en squelette max 3. C'est good. Non, on perd un peu d'HP, mais bon, c'est normal, hein. Gargouille, vampire. C'est mal tout ça, hein. Oblivion. 3.31. Faut pas enlever de qualité d'invoque pour l'instant. Oh, il était chaud ce pack là. Ah, abusé. La difficulté de ce pack. Oh, un anneau niveau 7. Vitesse d'attaque régène par seconde. Vitesse d'attaque 17, hein. C'est incroyable. Je vais changer lui, hein. Ouais, c'est sûr, hein. Niveau de squelette 0.46, d'accord, mais. Allez, un petit coffre. Oh là là. Oh 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 oh. Adieu. Vache.
Oh là là, la vache. 51% de qualité d'invoque. J'ai invoqué quoi? 4 squelettes de base. C'est vraiment énorme. Plutôt stylé les deux packs. 3 levels de retard en level de squelette. Ah non mais rien à voir hein. Honnêtement, si ma première invoque était un tank, c'était game hein. J'en suis convaincu, vraiment. Non, y a pas d'histoire de level de retard. En fait, c'est pas, le jeu est pas scripté à ce point. Je pense pas qu'il faut se dire, bon bah voilà, tel loop, si t'as pas tel level de squelette, t'as perdu. Je pense pas que ce soit... Le jeu m'a prouvé que c'était pas aussi rigide, on va dire. Mais tranquille, hein. Son Nécro, leur lit est dur, hein. Il n'y a qu'avec Nécro que j'ai pas fait de run pété actuellement. Je te propose de tout prendre alors que clairement t'as déjà tout pris. Non, il fallait cliquer quand même. Il fallait cliquer. Est-ce qu'on se retenterait pas ça pour la petite DR, genre? Je sais pas.